please know. Effectivement, pas résister à la tentation, on revient dans ce magasin. Donc je dis pas je dis on, parce qu'effectivement j'ai eu la chance de rencontrer une de mes abonnées, une youtubeuse également. Donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est Katia, donc qui habite en fait très près de chez moi. Donc on a décidé de se rencontrer. Et donc du coup, qu'est-ce que font deux youtubeuses quand elles se rencontrent? Elles font les magasins, elles font le shopping et elles vont manger un McDo. On n'a pas dérogé à la règle, on a fait exactement ce même parcours, avec donc nous en tête les solderies, les soldeurs, parce que elle et moi, on est toujours à la recherche des meilleurs prix, des meilleurs produits. Donc on a un petit peu ça en commun. On a passé, je pense, l'une et l'autre une excellente journée, très fatigante. Il y avait un super soleil, en fait, il faisait ni trop chaud ni trop froid. C'est vraiment une journée super pour le shopping. Donc c'était une belle découverte, une belle rencontre. Je suis vraiment ravie d'avoir rencontré, d'avoir passé en vrai. Comme je lui ai dit, en fait, on est passé du virtuel au réel. Je pensais jamais que ça pourrait m'arriver. Donc voilà, effectivement, YouTube amène aussi ce genre de choses. J'espère que l'histoire n'est pas finie. On a effectivement convenu que maintenant c'est moi qui allais aller la voir lorsque je serai en congé, et puis elle aussi. Donc voilà, donc on a passé une super journée, on a dépensé qu'un petit peu des sous, mais pas voilà. Un petit peu quand même, hein, un petit peu, voilà, bon, voilà. Mais donc je vous montre ça rapidement. Peut-être juste avant, donc effectivement, on a fait plusieurs solderies, donc je pense qu'effectivement, je ne vais pas vous faire mettre ça dans une même vidéo. Donc là, c'est un haul spécifique action, et après, vous aurez les soldeurs que je vous montre la plupart du temps, avec des produits un petit peu divers. Donc en tout cas, là, c'est effectivement action. Écoutez, on va pas perdre de temps, on va démarrer tout de suite avec les produits donc que j'ai acheté. Alors en premier lieu, donc je vous ai dit, il faisait chaud, donc entre toutes nos courses, on mettait tout dans le coffre. Je vous montre un cadavre. Donc voilà, Katia, regarde ce qu'il en reste. Vous reconnaissez certainement. Donc je les ai mis tout de suite au congélateur. Bon, c'est du chocolat fondu qui a refroidi. Je suis pas embêtée. Bon, j'en reprendrai, je pense, effectivement. Vous savez, c'est les petites cuillères qu'on met dans le lait, et puis ça fait du chocolat au lait. C'est pas trop la saison, mais bon, j'avais envie de me faire plaisir. Et en plus, j'en avais pris deux. Ça coûtait 99 centimes. Ils n'ont pas supporté la chaleur. Ensuite, donc, je vais m'organiser d'abord. Hein. Voilà, un petit sac à côté pour mettre tous les produits, parce qu'effectivement, il y en a quand même pas mal. Donc, j'ai acheté ensuite donc un petit mix comme ça, un mélange d'arachide épicé, donc 175 grammes. Vous savez, les petites boîtes comme ça. Donc, je l'ai payé également 99 centimes. On n'a pas goûté encore, on n'a pas du tout goûté. Donc, voilà, je pense que ça ne doit pas être mauvais. Voilà, je pense que on aime bien toutes ces petites choses, mon mari particulièrement. Donc on va goûter. Ensuite, là, dans le même esprit également, donc j'ai pris ceci. Donc ça, je connais effectivement. C'est donc j'ai payé 1,49€. Vous voyez, c'est des petits mix comme ça. Il y a marqué dessus Sushi Mix 250 grammes de la marque Becky's. Voilà, c'est un mix en fait de crackers avec des goûts qui peuvent être sucrés, qui peuvent être salés. Et nous, on aime bien. Vous voyez qu'on l'a déjà ouvert hier soir, on a commencé un petit peu à en manger. Il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres, mais voilà, moi j'aime bien ça. Donc 1,49€, bon, c'est un peu cher, mais enfin, un peu cher, c'est relatif. Il y en a quand même 250 grammes, donc voilà. Après, j'ai repris donc les petites nouilles que je vous avais montrées la dernière fois. Donc, combien elles valent? 29 centimes, je crois. Je
crois que c'est ça. Donc celle-ci qui est donc au poulet et celle-ci qui est au bœuf. Voilà, comme ça. Et j'en ai pris donc deux de chaque, ça m'a fait donc 58 centimes. 60, donc 1,20€. 1,20€ les 4, franchement c'est super intéressant. Hein. Vraiment, ces petites nouilles-là, voilà. Donc Kat en a pris aussi, elle va vous montrer ça, je pense. Et puis j'ai repris aussi de la marque Becky's, donc c'est les mêmes que le petit mix. Vous savez, les petites madeleines que je vous avais montrées la dernière fois, donc les 350 grammes, il y en a donc 4 fois 3, il y en a 12. Donc là j'en ai pris deux paquets, je ne suis pas laissée avoir. Il en restait très peu en fait. Quand mon mari les a vus revenir, il m'a dit, oh, hier soir, il m'a dit, oh, t'en as repris, super. Voilà, donc ça valait 0,99€. Donc vraiment, c'était pas cher, c'était pas cher non plus, quoi. Vraiment intéressant. Alors voilà pour la bouffe, c'est terminé. J'ai repris aussi donc une petite bougie donc à 1,15€. Elle avait augmenté de 5 centimes hein, depuis la dernière fois. Donc vous savez, c'est des petites bougies comme ça, dans un petit pot comme ça. Donc la dernière fois, j'avais pris fleur, je sais plus quoi. En fait, c'était rose clair en fait ici. Donc là, c'est plutôt Lovely Berries. C'est plutôt une odeur effectivement de fruits rouges. Je pense que toute seule, j'aurais pas pris. Mais comme Kat était là, elle m'a dit, oh oui, mais j'ai un fruit rouge en général, ça sent bon. Mais c'est vrai, elle a raison. J'aime bien. J'ai pas fait brûler encore puisque j'ai pas l'autre. Elle n'est pas terminée. Mais vraiment, j'en suis contente. Moi, dans ma chambre, elle n'est pas très très grande. Et franchement, c'est bien. Le soir, j'aime bien effectivement mettre ça. Même si la fenêtre est un petit peu ouverte, ça parfume quand même. Dans tout ce qui est un petit peu d'hiver également, donc j'ai pris parce que j'en avais plus la veille au soir, mon mari m'avait dit ah, il n'y a plus de papier d'aluminium, etc. Donc j'ai repris voilà, du papier d'aluminium, Cully Wrap, 18 mètres, et j'ai payé ça donc 99 centimes. Donc voilà, c'est du papier d'aluminium, tout ce qu'il y a le plus simple. C'est la nécessité qui me l'a fait acheter. Ensuite, pour ben, le soin, j'ai pris qu'une seule chose, donc parce que j'arrive à la fin de mon déo Nivea. Donc il y en avait toute une série en fait de déodorants. Moi j'ai pris celui-là, il valait 1,89€. Je ne savais pas quoi prendre parce que franchement il n'y avait pas grosses indications sur les étiquettes. Énergie fraîche, antiperspirant, 48 heures. Je l'ai pris parce que le packaging était bleu ciel et je trouvais ça joli. En fait, c'est uniquement la seule chose qui me l'a fait choisir. Donc voilà, je ne sais même pas si je l'ai senti en fait. Non, je ne l'ai même pas senti en fait. Je l'ai pris, non, mais que sur le packaging quoi. Ouais. Ah, il est un petit peu plus fort que celui que j'ai, mais j'aime bien. C'est quand même une odeur douce qui passe assez inaperçue. Après, en matériel un petit peu papeterie, etc. Donc, j'ai pris, pareil, des indispensables, des rouleaux de scotch. Donc là, j'ai le stock. Il y en a 6 rouleaux de 30... Ouais, en tout, ça fait 33 mètres de scotch. Donc, effectivement, bon, qui divise 6, mais voilà. 65 centimes les 6. Et vous voyez, quand même, c'est pas rien. Donc, c'est quand même un petit peu épais. Donc, il y en a sur chacun des rouleaux. Moi, j'ai un dévidoir, j'aime bien le mettre dessus. Et ben, il n'y a pas très longtemps, j'en ai eu besoin. Et chaque fois, quelqu'un vient me le prendre. Et j'en ai jamais quelqu'un. Donc, voilà, mes filles, la plupart du temps. Et quand je demande, il est où le scotch, on me dit, oh, ben, je sais pas où il est. Donc, voilà, ça, j'ai un. Et je vais en planquer un, c'est sûr. Voilà, ensuite pour Lucienne et puis pour moi aussi, donc j'ai repris des petits rouleaux de washing tape à 79 centimes, donc franchement c'était pas cher du tout. Donc voilà comment ça se présente au niveau du packaging, donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris celui-ci avec des petites fleurs roses, enfin sur fond rose, des petits papillons, non, des pois blancs sur fond vert, des petites feuilles blanches sur fond vert également. Pois sur fond bleu plutôt, et j'ai également pris celui-ci, donc des petites vagues vertes foncées, vert clair et blanc, des petites fleurs sur fond blanc, rose et vert, et puis une espèce de petits croisillons blancs sur fond violet. Voilà, donc ça j'aime bien pour faire quand je fais des petits paquets cadeaux sympas sur les enveloppes aussi, j'aime bien. Et puis ben, Lucienne aussi peut l'utiliser pour tout son art plastique, donc c'est très très bien. Pour elle également, donc je lui ai pris de la colle en spray.
Voilà, parce que souvent, elle a des grosses surfaces à coller. Donc ça, c'est un petit peu plus cher. Elle m'a coûté 1,99€. Donc colle en spray, je ne sais même pas quelle marque c'est. 300 millilitres. Donc je n'ai pas testé pour l'instant, mais bon voilà, c'est un pchit normal. Ça sent la colle. Voilà, rien de bien plus normal que ça sente la colle. Je lui ai pris également donc des feutres, puisque la dernière fois j'avais pris le crayon couleur, c'était des feutres. Et là, au final, je pense que ça ne va encore pas parce qu'elle m'a dit, oh oui, mais c'est pas ça, je voulais des bics, etc. Elle, je pense qu'elle veut, c'est vraiment des feutres de dessin. Enfin, voilà. Donc, ben, pour ça, il faudrait qu'on aille au magasin d'Albe, le magasin effectivement qui il y a des produits ben, de grande qualité pour le dessin. Je ne sais plus, il n'y a plus de prix dessus. J'ai payé 1,80€, 1,80€, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y en a 12 dedans. Pour Pauline aussi, dans le même esprit, j'ai pris donc un petit cahier comme ça, vous savez, de feuilles à 85 centimes. Donc vous avez effectivement, bah ça se présente comme un cahier. Et bah moi Pauline, elle aime bien ça pour les cours en fait, parce que bah, elle prend ça. Et puis donc là, vous pouvez donc arracher la page et du coup après donc la mettre dans un classeur. Bon, c'est un grammage de 80 grammes, c'est pas énorme. Mais bon, ben voilà, elle va tester. C'est des petits carreaux. Il y avait aussi des petits carreaux. Il y avait aussi des lignes fond blanc avec le bleu. Le lignage est quand même assez foncé. Bon, 85 centimes, j'ai pris pour voir un petit peu ce qu'elle m'en dit, si ça lui convient. Voilà, on arrive un petit peu à la fin quand même. Il me reste deux produits. J'ai repris donc pour 69 centimes. Un allume-gaz, un allume-bougie, un allume-four, voilà. Parce que le mien, il est resté près d'une source de chaleur. Et il est tout gandolé. Je trouve ça que c'est pas, voilà, très sécure. Je n'ai même pas fait gaffe s'il était rechargeable, mais je pense pas. Oui, si, il est rechargeable. Ouais, donc c'est bien, parce qu'effectivement, j'ai une recharge. Voilà, donc 69 centimes. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris gris. Voilà, et ensuite j'ai acheté un couteau en céramique, donc avec une lame un petit peu longue que j'ai payé 1,22€. Donc vous voyez, la lame elle est quand même assez longue, elle fait ceci. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Elle fait 12 cm. Lame en acier, revêtement anti-adhérent à base de céramique. À base de céramique, d'accord. Donc j'ai jamais testé, c'est Kat en fait qui m'a dit bah, que ça coupait super bien, j'avais déjà entendu ça, et puis bah, voilà, 1,20€, j'ai dit bah tiens, je vais en prendre un, je vais tester, parce qu'effectivement quand on coupe la viande ou qu'on a voilà, des tomates, des choses comme ça, j'aime bien que ça aille vite moi, donc faut que j'ai des bons couteaux. Voilà, puis mon mari aussi, puisque c'est un grand qui m'aime beaucoup plus que moi. Et ensuite, donc la dernière fois que j'étais allée, j'avais vu des petites jupes, et des jupes toutes simples en fait, je sais pas, c'est pas en coton, c'est en polystyrène, en polyester, quelque chose comme ça. Et donc du coup là, je me suis dit bah, cette fois-ci je vais vraiment prendre une, parce que ces petites jupes toutes simples qui arrivent juste au-dessus du genou, qui partent un petit peu évasées, et j'en ai une que j'ai mis en fait tout l'été dernier, et j'étais super à l'aise avec, et je me suis dit ça, c'est un truc qui se porte super facilement. Donc voilà comment elle se présente. Elle valait 3,99€. Voilà, moi j'ai pris celle-ci, je crois. Enfin voilà, à chevron noir et blanc là, ici. Donc voilà comment elle se présente. Donc voilà, c'est des petits chevrons comme ça, noir et blanc. Elle a un petit empiècement ici, comme ça là. Et après, ça part évasé. Voilà. Et devant, on a un petit lacet comme ça qui retombe sur le devant de. Voilà. Donc au début, j'avais pris XL. J'en avais sorti une, il y en avait une qui était sortie du carton, et c'était un M. Et en fait, j'ai cru que c'était un S. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre un XL parce que le M me semble très petit. En fait, heureusement que Kat était là. Elle m'a dit, mais non, t'as vu, ça va être trop grand. Et effectivement, donc du coup, bah, elle a patienté pendant que je cherchais, fouillais partout. Mais je suis super contente d'avoir trouvé ça, parce que bah, en fait, j'y suis super bien. Et donc voilà, c'est la marque Must Have. Voilà, donc juste pour vous dire, effectivement, bah, je ne l'ai jamais lavée encore. Bon, elle n'est pas.
C'est pas super épais, mais en même temps, elle n'est pas transparente. Donc, je suis ravie de mon achat. J'ai jamais fait ça. Il faut toujours innover, en fait. Donc, n'ayons pas peur du ridicule, ni même des choses qui tuent. Je me suis filmée avec la jupe pour que vous puissiez bien la voir. C'était donc le premier magasin que l'on a fait, puisque effectivement elle était venue un petit peu pour ça, parce qu'elle avait vu ma vidéo, et donc elle avait vu que le magasin avait ouvert, et donc elle s'était dit voilà, allez, j'y vais, et puis c'est l'occasion aussi de se rencontrer, et moi j'étais super contente. Donc je vous mets sa chaîne en lien en barre d'infos. Je sais pas si quand moi je vais mettre ma vidéo elle aura déjà fait son haul. Sinon quand elle le mettra, de toute façon je vous ajouterai le lien de sa revue sur cette journée là donc ça va continuer, puisqu'effectivement il y a d'autres, on a fait d'autres razzias dans les magasins, donc je vais vous montrer tout ça, on continue, mais là pour celle-ci j'arrête là. Je vous fais des gros bisous, salut.